Comment est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Il n'y a rien à faire. Je ne pourrai jamais échapper à ce maniaque. Il me reste 3 malheureux jours. Les gros et qui? Je suis foutu. Vous êtes chouette. Et ça me fait penser que j'ai eu le nez de Soto. Qui lui a fait ça? Non. Non. C'est toi. Et ben t'as pas froid aux moustaches, hein? On avait encore jamais eu de matou dans la bande. Et on est prêt à accepter tous les volontaires. Allez, la compagnie, c'est l'heure de roupiller. Demain, on a du pain sur la planche. Oh, non. Non. Voilà. Bon, d'accord. Mais alors, juste un chapitre. Bon, alors, où est-ce qu'on en était? Ah, oui, voilà, le chapitre 7. Sparky s'arrêta et se roula dans un champ de fleurs sauvages. Les boutons d'or lui chatouillèrent tellement le nez qu'il se mit à rire très fort. Lorsque soudain quelque chose attira